Hello. Look what happened. Hold on. Oh, I bought as a. Hell, the Akubanano. I even drew. I had to buy in there. You don't come along, my little woman. Don't tell me, my man. The mail, ma. Say, Nipro can enjoy your bread. Go. On bro mondo onde que vem qual é e não vai como tá que e vai ter bom sei ba on bro como amém amém andou bem ainda não me qual é também não não uma uma loma Omo do so ku me te me wo yi wa te pe gbo le peta te ba mbo ku me lo ke se o don gbe ko ko e ngo se o la ju ko se lo me amen amen bon aso me je vais essayer de résumer un peu en substance ce que j'ai dit tout à l'heure en langue latin. J'ai demandé aux manos de nos ancêtres de bénir cette cérémonie pour que l'union se fasse au sein du FPI et que Dieu fasse que le président africain soit propulsé à la tête de notre pays. Je vous remercie. Venez par ici, venez par ici. Essuyez ça. Camarades congressistes, acclamons très très fort la chevelure traditionnelle d'Anoumabo avec comme porte-parole M. Moronou Gustave pour le rituel de libation. La tradition a été respectée. On regarde au cœur de la vie de notre parti et en revisitant le parcours mémoriel du Front populaire ivoirien, je me remémore des événements mémorables qui se sont déroulés à Treschwitz. Je me souviens des jours anciens et ma joie est indicible. Je me souviens du premier meeting de Laurent Gbagbo, août 1990. Je me rappelle la première fête de la liberté, toujours au Parc des Sports, en 1991. Je me souviens aussi des démembrements du parti. Je vais parler de la JFPI. Je vais parler de l'OFPI, qui ont été portés sur les fonts baptismaux en 1991 à Laïtassi, à Treschwitz. Treschwitz, terre mythique des heures de gloire du Front populaire ivoirien. En ce grand jour du 1er août 2020, au nom du district d'Abidjan Sud, district riche de 10 fédérations, je salue respectueusement les délégués d'Abidjan Sud, les délégués d'Abidjan Banco, les délégués d'Abidjan les 2A, les délégués d'Abidjan Lagune, camarades de la JFPI et de l'OFPI, je vous salue. Je salue avec déférence et dignité les membres du secrétariat exécutif, du secrétariat général et du comité de contrôle. Merci d'être vous. Pourquoi sommes-nous rassemblés ici? Nous sommes le Front populaire ivoirien, parti habité par le calme de la raison. Nous sommes ici, en ce haut lieu, pour célébrer la démocratie, c'est-à-dire
le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous sommes ici pour crier notre adhésion au socialisme démocratique, champion des réformes sociales, de l'économie de marché et qui exige des débats internes et la démocratie au sein du parti. Nous sommes en cette agora pour dire urbi et orbi notre exaltation de la transition pacifique à la démocratie, c'est-à-dire la voie pacifique d'accès au pouvoir d'État. Nous sommes surtout ici pour désigner notre candidat à la candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Ave Afingesa, homme de paix, homme de justice, homme de conviction qui réconcilie le dire et le faire. Heureux d'être de ton écurie, écurie de l'excellence, écurie de la dignité et écurie de la responsabilité agissante. Mais qui es-tu à Afingesa? Comment fais-tu à Afingesa? À chaque fois, ce que ta bouche a dit, les autres sont mécontents, mais après, ils prennent tes idées et sans même te verser des droits d'auteur. Ils embouchent la trompette, je dirais, du plagiat. Et pour cela, nous avons de nombreux exemples. Je me souviens, en 2014, Afingesa a dit « Il faut les États généraux de la République ». Et certains ont cru dire que c'était du bavardage. Mais aujourd'hui, ils sont dans la gadoue et ils souhaiteraient faire ce que Afingesa a dit. Je me souviens encore, quand tu es sorti de prison, tu as dit tout simplement, il faut que nous soyons dans la négociation avec le pouvoir. Ils ont encore dit, oui, Afi a trahi. Mais aujourd'hui, c'est eux qui se cachent pour aller négocier. Honte à eux. Camarade Afingesa, tu l'as encore dit. Quand nous avons fini les élections des commissions électorales locales, tu as dit que vraiment ces élections-là, il y avait déséquilibre en ce qui concerne les présidents de ces commissions électorales locales. Et plus près de nous ici, la Cour africaine des droits de l'homme a répété ce que tu as dit. Merci, camarade. Pour terminer, je vais citer mon chef, parce que tu es un chef. Tu es un chef et tu es beau. Tu ressembles à vraiment la fonction de président de la République. Parce que, qu'est-ce qu'il nous reste? Tu as été maire de Bongouanou. Tu as été ministre sous la transition. Tu as été premier ministre. Tu es député de la nation. Tu es aujourd'hui président du conseil régional de Bongouanou. Qu'est-ce qui reste? Le poste de président de la République. C'est pour cela
que nous allons te prêter à la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, voilà votre président. Nous vous le prêtons. Et comme je le disais pour terminer, je vais citer Pascal Afinguessan, qui déclarait à la clôture de la 8e convention extraordinaire du Front populaire ivoirien, tenue le 22 février 2014 au Palais des Sports à Trècheville. Et je le cite. La troisième et dernière chose, c'est la certitude de notre victoire. Nous allons gagner. Le président Laurent Gbagbo sera libéré. Bientôt, très bientôt, le Front populaire ivoirien sera à nouveau au pouvoir. Par la seule voie qui nous est enseignée, la voie de la transition pacifique à la démocratie. Fin de citation. En avant pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, vice-président. Merci. On l'applaudit jusqu'à ce qu'il redescende. Merci. Celle que je vais appeler est la première vice-présidente du Front populaire ivoirien. Elle est par ailleurs la présidente de ce 5e congrès extraordinaire éclaté. J'ai nommé la vice-présidente Christine Conan, qu'on reçoit. On l'applaudit jusqu'à ce qu'elle vienne au pupitre. La première vice-présidente du Front populaire ivoirien qui monte sur le podium. On l'applaudit. Merci. Camarades congressistes, nous avons parcouru du chemin. Certains nous ont quittés et ce ne sont pas les moindres. Je voudrais donc que nous observions une minute de silence en la mémoire de nos illustres disparus. Je vous remercie. Camarades présidents, camarades congressistes, chers camarades de l'AFD, honorables chefs traditionnels, chers invités, avant tout propos, je voudrais dire merci au président du parti pour le choix qu'il a porté sur ma modeste personne pour présider les assises de notre 5e congrès ordinaire portant désignation de notre candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu précisément dans 3 mois. Je saisis cette occasion pour saluer tous les camarades congressistes qui ont effectué le déplacement pour vivre ces moments historiques relatifs au choix de notre candidat.